Alors, pourquoi Pierre Gagnaire? Parce qu'effectivement, je crois que Pierre correspond à ce que peut être un parrain. Peut-être un parrain parce que c'est un exemple. Un exemple d'ailleurs parce qu'il s'intéresse à cette évolution permanente de la cuisine. Un créateur, un vrai talent. Et il ne fait pas qu'effectivement assimiler, assembler. Il est toujours en avance sur les modes de consommation parce que la cuisine, la nourriture est en parfaite et en permanente évolution. Et Pierre est un petit peu en avant-garde là-dessus, un peu missionnaire. Donc cet homme qui en plus s'entoure de chercheurs, je l'ai vu dans un débat avec des chercheurs, par les molécules, par les assimilations, par les vapeurs, c'est absolument passionnant. Et ça, c'est une vraie richesse. Donc il me semble que Pierre Gagnaire, il m'a semblé, je lui ai fait la proposition, était vraiment, disons, le premier parrain de nos promotions. C'est avec grand plaisir qu'il a accepté. Il connaît bien le monde de la formation. Pierre Gagnère a été parmi nous, je l'ai vu avec nos apprentis, nos élèves, à leur écoute, leur apprendre le geste. Et c'était vraiment un grand réconfort de voir de ces grands chefs déjà s'intéresser aux jeunes, s'intéresser à la formation. Pour cela, Pierre, ce soir, tu n'es pas avec nous, c'est vrai, mais tu es avec nous par l'image. Un grand merci d'avoir accepté cette première promotion. J'espère qu'on aura le plaisir de te voir en Vaucluse malgré tes déplacements dans le monde entier. Mais sache que nous sommes très sensibles et nous avons été très touchés que tu acceptes de parrainer la première promotion 2015 de Pierre Gagnaire. Merci Président de votre confiance et votre fidélité à mon égard. Effectivement, je suis aidé de ne pas pouvoir être là, mais quand vous m'avez envoyé ce courrier il y a quelques mois, évidemment j'ai tout de suite dit oui, parce que j'entretiens un lien très affectueux avec l'école hôtelière grâce à mon ami Marc Fracchi, avec qui je suis toujours vraiment resté en contact. Et cette école, effectivement, maintenant ça fait bien 25 ans que je la
Oui, 25 ans que je la connais. Alors donc il y a un vrai lien qui s'est créé entre moi et l'esprit de cette école. Je suis pas sûr que la cuisine soit forcément un art. La cuisine, c'est d'abord un artisanat. Un artisanat, puisqu'effectivement, il ne s'agit pas de créer un chef-d'œuvre une fois par mois. Il s'agit de bien traiter les gens que l'on reçoit au dîner et au déjeuner. Donc oui, ça peut être un art. Ça peut être exercer, parce que c'est une façon de l'exercer, une façon de ressentir. Donc effectivement, je suis plutôt dans cette catégorie. Mais ce qui est important, c'est de ne pas opposer l'art et l'artisanat. L'artisanat, ça a de la valeur, une valeur paisible, une valeur qui permet la durée. L'art, c'est plus éphémère, c'est plus dangereux, c'est plus risqué. Ce qui est sûr, c'est que c'est d'abord de l'amour. C'est évident, c'est l'envie de faire plaisir et de donner aux autres. Et d'ailleurs, je voudrais mettre l'accent tout de suite dans cette première question. Bien sûr, la cuisine, mais aussi le service. Le service, le service. On est au service des gens. Et ça, on a trop tendance à le négliger. On parle à la télévision d'exploits, du meilleur pâtissier, mais non. C'est pas le. Et puis, c'est quoi le meilleur? C'est donner du bonheur. C'est ça qui est important dans ce métier. Dans ces métiers. Dans ces métiers. Le lien avec l'école, il est là, il existe. Il y a des choses qui ont été construites. Moi, j'ai fait appel à des élèves très souvent à Saint-Étienne. Il y a des gens qui ont fait leur vie, qui ont grandi. J'ai quelques liens très solides avec Avignon grâce à mon ami Christian Étienne que je connais depuis 72, on a travaillé ensemble à Paris, à l'Intercontinental. Donc ça, tout ça, ça crée des liens.